contrat de gars, la seule mission faite pour les vrais gars, pis tout ça qui ont déjà mangé la viande crue à baïonnette! Aujourd'hui, je vais être chronique sur comment pousser comme un vrai gars. Mais juste avant, on reçoit en entrevue notre chum physicien, puis je vous fais un top 5 des drinks les plus virils. Aujourd'hui, en entrevue, on reçoit mon chum Blackburn, un hostie vraiment le physicien. Toi, qu'est-ce qui t'a amené en physique? Moi, je suis venu en science parce que je voulais apprendre comment faire une armée de robots en métal! Testostérone! Blackburn, pourquoi t'as dit peine à viril? En physique, y'a quasiment pas de filles, pis ceux qu'on a, ben ils ont des moustaches! Ouais, mais elle, sa moustache, c'est même pas une vraie. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! D'après toi, qu'est-ce qui définit toi comme un vrai mâle? Moi, j'étudie les propriétés électroniques fondamentales des semi-conducteurs! Ah, c'est que c'est fruit! Sans ça, on pourrait pas downloader de porn sur un PlayStation 3! Ah! Qu'est-ce que tu trouves vraiment gars dans la vie? Faire exploser des bombes atomiques dans le désert, pis se slapper des végétariennes! Prédateur! Phil, il fait une chronique, fait que tu gardes ton cul sur ta calice de chaise! Aujourd'hui, je fais une chronique sur comment pousser comme un vrai gars en 3 étapes. Première étape, le handstand. Tu t'installes confortablement parce que t'en as long à faire. Deuxième étape, tu marques ton territoire pour qu'on sache que t'es passé par là. Troisième étape, tu te recules le plus loin possible. Le record à battre, 5 verges, 12 pouces et une longueur de chainsaw. Une bétonneuse! Pour pressionner vos chums à votre prochain party, on vous a préparé un top 5 des drinks les plus virils. Numéro 5, de TNT pis de la bière! Wow! Numéro 4, Irish Car Bomb, parce que char, bombe, irlandais dans le nom! Numéro 3, du sang de dragon! Numéro 2, n'importe quoi fait avec du gaz de bateau! Numéro 1, le number one of all time, Shitstorm! Le pouvoir anesthésiant du gros gin, puis l'effet laxatif du jus de pruneau! Shitstorm! Ah! Canard, ruban adhésif. Canard, ruban adhésif. Docteur! Fuck! Ah, c'est l'émission déjà finie! On aimerait ça remercier les vrais gars qui nous écoutent, les British 303, les cracheurs de feu, les gars de la construction, Chuck Norris, pis Denis au bruitage! Ramenez-nous la semaine prochaine alors qu'on reçoit en entrevue un mutant! Et qu'on déguste des clous rouillés! Hey mon tabarnak!